Oui, bandeko balandi ya tokomu wapi esengweze anga komona bino moi tope na pokwa tope na tongo oyobokolanda ngai bandeko nanga tubolanda nga par-ci par-là na monde na Congo Kinshasa mbote esika bozali air yango yo na ibisaka bino boza toujours branché na ndeko Eliezer tokokoma mwana mokolo lopango epai wapi bokolanda biloko malamu biloko ya série mokolo mwalobi ezaki journée ya mbutu mbutu bomonaki nana zalaka combattant. R yango na bisaka bino ba photo ya lobby journaliste ni bomona photo na terrain to mutoni na lobby ngala za populaire ngai Congo ezaka na maboko na Congo ezaka na mapeka na ngai nani bomona lobby na terrain ezaka ba Facebook na ba réseaux sociaux il fallait ba kitati ba tani na mapeka ndenge ndeko leza za kala to la bola ksa bino soke boza pena peuple za sima na bino boza na peuple bokitete pona nini bokomeka ba ya ko tweeter mokolo malobi bana Congo ba yimboka balobaki lwa wana na semaine nationale ekolekate ba congolais nyoso ba bimaki na nzela na ba Lubumbashi na ba Kivu na ba Equateur par-ci par-là ba bimaki pote lwa ya minaku na sakata esalamate lwa wana eza contre peuple congolais au paso to bundaki bande ko ba kufaki pour makambo wana te bomunaki ba mwa ba casse o esalamaki na mboka Congo ba imeuble bande ko shadari ya bande ki mbuta ya ba kuluti na biso président INPC ya ville de Kinshasa Jamaica Samba ya bango ikasange ba imeuble bango ki vandalisé vice premier ministre en charge de l'intérieur papa na biso le vrai descendant ya Tomalanda besenga de tiseke di wa mulumba alabaki ete ngai fona kita à vérifier à tala est-ce que ma casse est la quitte ou la quitte à quelqu'un qu'on vérifie partout mon terrain ma combo pandeko shadari pas kimbuta pas jamais qu'à sa ma kitaki yé moko et longone équipe naïe na vice ministre intérieur ma kitaka sera constant ya ma casse n'engue salamaki na miko na biso de la c'est qui bille de rossi kabine de l'issue de la l'issue moula boutou moi te conserver toujours la république démocratique du Congo bolanda bongo descente na biso de colésas la qu'on a ma jeunesse et belle ma pandisango na biso pe longo na mona mokolo pango bola na bongo descente ya vice premier ministre par ailleurs
Le droit à manifester est reconnu aussi constitutionnellement parlant. Mais que ceux qui manifestent puissent exprimer de manière libre et non violente leurs exigences, mais sans prendre à des biens privés, c'est intolérable. Et pendant que ces événements se passaient, j'étais en contact avec le commissaire provincial. Je l'avais instruit pour que tous ceux qui s'adonnent à l'attaque des biens privés soient interpellés et déférés devant les juridictions. On sait que dans les manifestations publiques, il y a toujours une frange des voyous, des casseurs qui se mêlent aux manifestants et qui cassent tout à l'heure sur leur passage. Mais ici, ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils semblent avoir opéré une sélection sur les biens auxquels ils se sont attaqués. En tout cas, nous allons nous engager de sorte à ce que les auteurs, ceux qui sont déjà appréhendés, ceux qui seront identifiés à travers les images, soient poursuivis et qu'ils répondent de leurs actes. Donc c'est à partir de la rue dont j'étais de projet. Bien venu contribuer ma client par rapport à ce sujet. Merci beaucoup pour la vie. Si, c'est notre obligation, nous faisons que l'ordre de voir. Merci. Libéré. Avec les motos, poussaient la porte. Et comme la porte n'arrivait pas à s'ouvrir, oui. Ils ont commencé à jeter des cocktails molotov avec le feu à l'intérieur. Ensuite, ils ont forcé la porte qui était de l'autre côté. Et c'est là où ils sont entrés ici. Ils ont cassé tout ça. Papa.
Et ici, on pense qu'ils ont plein de... Ça va aller. Nous, on n'a pas de système. Et là, ils sont en train de penser ici. Et la garde qui était derrière a tiré un coup à l'air. Il y a qu'un seul garde, il est là. Nous, c'est lui qui a tiré. Nous, en tant que ministre de l'Intérieur, nous avons la responsabilité de veiller à sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Il n'est pas permis, au nom d'une manifestation de ses opinions, bien que le droit à manifester soit aussi garanti par la Constitution, mais s'en prendre à des biens privés, à des destructions méchantes, à exposer même la vie des personnes qui vivent dans ces... Ma famille est là. Dans la résidence ici. Faites-moi appeler ma famille qui est là. Donc cela est criminel. Cela est tout simplement criminel. Des fois, nous avons vu même dans les vieilles démocraties qu'il y a des voyous, des casseurs, qui se mêlent à des manifestants et qui commettent des actes répréhensibles comme ces actes. J'ai été en contact permanent avec le commandant Ville pendant qu'il était en train de superviser les opérations. Je lui ai donné des consignes précises. Je lui ai dit que tous ceux qui s'attaquent à des biens privés sont des bandits, sont des voyous, ce sont des criminels qu'il faut appréhender afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Il y a quelques-uns qui sont déjà aux arrêts. Il y a d'autres qui ne le sont pas encore. Il y a des images qui existent. Il y a des enquêtes qui sont lancées et qui se poursuivent, de sorte à ce que toutes ces personnes soient identifiées, appréhendées et traduites devant les juridictions nationales. C'est intolérable. Donc nous sommes là pour consoler, pour vous exprimer notre compassion et toutes nos sympathies pour tout ce qui nous est arrivé. Et en tant que ministre de la République, nous allons poursuivre toutes ces enquêtes de sorte à ce que tout cela aboutisse. Bien sûr, il vous appartient de faire la liste de tout ce qui s'est passé ici et d'initier déjà une action à votre niveau, avec tous les dégâts que vous avez subis. Et ensemble, nous allons poursuivre ces individus-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis très touché à double titre. D'abord, vous êtes mon grand frère. Vous m'avez vu grandir. Je peux le dire devant les caméras, ici. Voilà celui qui m'a vu arriver en France, celui qui m'a vu faire mes études en France, travailler en France. Il m'a même doté, lui, mon grand frère, ici présent. Et l'histoire de l'IDPS, il connaît. Dans ma famille, dans ma chair, il connaît. Parce que son ami personnel, c'est mon grand frère, le seul que j'ai. Aujourd'hui, je suis dans mon pays. Voici mon grand frère qui est ministre de la Sécurité et membre éminent de l'IDPS. Voici ce qu'on me fait moi, Jean-Marie Kassamba. Voilà ma famille qui est là. Ma famille. Venez ici. Venez ici. Si vous ne savez pas que j'ai une famille, voilà ma famille. Voilà ma petite sœur qui vient avant moi. Voilà celle que je suis. Voilà la dernière. Voilà ma famille. D'accord. Alors, monsieur le ministre. Je ne voulais pas le dire parce que effectivement, Jean-Marie a grandi sous nos yeux. Moi, je me suis dit, donc, comme je vous dis là-bas, quand il voulait se marier, je l'ai amené pour se marier dans cette belle famille. Richard, je ne veux pas revenir sur tous les détails, je ne voulais pas qu'on compte. Bon, ici. Merci. D'abord, dans mes responsabilités républicaines, j'agis et
nous nous sommes déjà dit beaucoup de choses sur le plan de nos relations familiales. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, je suis très touché. Merci bien. Moi, je suis journaliste. Je ne suis ni mandataire, ni élu, ni gestionnaire des choses de l'État. J'ai construit ma petite maison pierre sur pierre avec ma sueur. Ces deux voitures, c'est le fruit de ma sueur. Je vais demander tout simplement à notre président, qui est le garant de l'unité nationale, de la cohésion nationale, que je sois dédommagé de ce que je viens de connaître. En tant que citoyen de la République, vous y avez droit, donc je vous remercie et j'appelle toute la presse de Kinshasa de rester soudée et de continuer à nous faire confiance parce que nous avons la République qui nous protège. Merci encore. J'ai le malheur de tomber tellement dans des familles qui me sont très proches. On ne peut pas avoir des dégâts. Mon papa a toujours parlé pour les enfants. Mais comment dirais-je, priver de son bien ou subir des dégâts. Et cet état-là est responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et tous nos efforts s'inscrivent dans ce cadre-là. Autant le droit de manifestation est garanti, autant nous demandons à notre police de pouvoir faire le nécessaire afin d'encadrer de manière efficace les manifestants pour que ce genre de débordements ne soient pas connus. Autant nous insistons aussi que lorsqu'ils encadrent efficacement les manifestations, on ne puisse pas déplorer des morts d'hommes. Et là, j'en profite d'ailleurs pour dire que la manifestation d'hier, qui a connu une participation, une mobilisation, très très importante, pendant que la police était focalisée sur la sécurisation du palais du peuple, eh bien, il y a des débordements qui arrivent à ce que nous déplorons aujourd'hui. D'abord, pour le premier aspect, nous disons merci à la police parce que nous avons terminé cette manifestation avec zéro mort. Nous devons sincèrement remercier la police parce que si ce n'était pas ou si la police n'avait pas mis leur pied ici, on allait voir l'immeuble en fait. Et voilà un peu. Merci. Coup de chapeau à la police. Voilà. Donc c'est cet effort-là que nous saluons. Je vais vous montrer des chaussettes ou...
On a saccagé, on a pris.
Ils ont jeté le ciel ici, ils ont tabassé même le chauffeur qui était dans le pays. Ce que vous allez faire, nous, en tant que gouvernement de la République, nous sommes membres de la police. Mais en tant qu'État, nous allons poursuivre. Ils sont pensés que cela mérite sans sanction. Même capitaine Abi, mais pas le faire, c'est l'aimant.